Pierre-Henri, les petites Vénus étaient vraiment excellentes. Merci. Maintenant, on va passer à une autre cuisson. Tu as prévu de faire Un bar à la plancha un avec bar. des petits légumes. Donc, je vais cuire les petits légumes en premier D'accord. et je vais cuire le bar ensuite en poussant les petits légumes sur le côté pour laisser la place au bar que l'on va tenter de flamber au pastis. Oui, Tout simplement. oui, tout simplement, comme toujours, c'est intéressant ça. Et dis-moi, donc la plancha, on l'a déglacée tout à l'heure, hein. Oui. Donc on l'a nettoyée avec des glaçons ou de l'eau fraîche. De l'eau Il froide, y a des traces sur la plancha quand même, hein. Donc ça peut intéresser les gens qui sont équipés. C'est quoi ces traces? Alors, le blanc et le marron, en fait, c'est le sel qui s'est plus ou moins incrusté sur votre plancha pendant la cuisson des coquillages, parce que les coquillages sont salés, et donc ça laisse des traces, et même en déglaçant au moins une fois, il reste du sel toujours. D'accord, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on redéglace une deuxième fois, et sinon on peut enchaîner une nouvelle cuisson avec un peu d'huile, etc. Et ça apportera un peu de sel. Donc, faudra faire attention à la cuisson suivante, à moins salée, parce que le sel, ça va communiquer aux aliments, il D'accord. va être communiqué aux aliments. D'accord. Bon, là, pour ce qui nous concerne, c'est pas trop gênant parce qu'on va faire des légumes pour accompagner un Il y a bar quoi? qui lui-même est un poisson. Bon, c'est que le sel, hein, il n'y a pas le goût du poisson, enfin Non, des Vénus non, reste pas non, sur la plaque. non. Si on faisait une côte de bœuf là par exemple maintenant, Il n'y a aucun il n'y a aucun souci. souci. Il n'y a aucun C'est juste souci. ce qui marque la plancha, c'est le sel. C'est le sel. Ok, ben ça c'est un petit indice intéressant parce que je pense que beaucoup d'utilisateurs de plancha se trouvent devant ce phénomène et se posent la question. Merci Pierre-Henri de nous avoir apporté la réponse. Bon, on se retrouve dans quelques instants Oui, pour la suite. on va cuire les légumes et le bar. Et le bar. Donc rappelle-moi, les légumes, c'est des légumes. Qu'est-ce Oui. que tu as prévu comme légumes pour aller avec le bar? Tout simple, oignons, poivrons, fenouil, courgettes et tomates. D'accord, le fenouil c'est bien. Avec le poisson, Voilà. généralement. Ah, le fenouil, c'est super avec le poisson, surtout avec le bar. Un bar Surtout. au fenouil, Ouais. c'est un grand C'est un grand classique, classique. hein. Ouais. Puis là, on va en plus le flamber au pastis. Donc, On va se régaler les papilles, voilà, encore une un fois. peu de citron et bon appétit. Oui, merci. Tout à l'heure. Pierre-Henri, ça fait quelques minutes que les légumes sont sur la plancha. Ils ont bien coloré. Donc on a le fenouil. La courgette, l'oignon, le poivron. Donc ça, c'est nos petits légumes qui vont accompagner le Voilà. bar, hein. Et donc là maintenant, on va aromatiser un petit peu tout ça. Donc j'ai du thym, Du jardin. du jardin, du laurier. Alors c'est des jeunes feuilles de laurier. Donc c'est pour ça que je me permets d'en mettre beaucoup, parce que le laurier, quand il est séché, c'est très fort, mais là, c'est du jeune Quand laurier. c'est la jeune pousse, c'est plus léger. C'est plus léger. Et c'est joli en même temps. On va mettre 2-3 gousses d'ail, mais entières. Pas écrasé, juste Pas épluché. écrasées, juste épluchées. Et puis, du romarin. Donc, arrivé à ce moment-là, on peut mettre. Moi, j'aime bien sur les légumes, surtout, j'aime bien plutôt du gros sel, de la fleur de sel que du sel fin. Je trouve que le sel fin, ça n'a pas de caractère. Donc, je mets un peu de gros sel. Il va fondre tout doucement et il va diffuser ses arômes plus lentement, mais plus sûrement. Une bonne odeur. À ce C'est agréable. moment-là, je vais mettre un peu de tomate. Alors ça, Alors, c'est de la superbe tomate. Tu me disais ça tout à l'heure et que tu as été surpris. Ah, j'ai été surpris.
J'ai goûté cette tomate qui était un peu comme une cœur de bœuf, mais une vraie, pas celle qu'on trouve en grande surface. Et alors la chair, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais la chair est très dense et c'est sucré, mais c'est un fruit, c'est vraiment un fruit. On voit bien, hein. On voit bien que... Franchement, c'est de la tomate comme ça, j'aimerais bien en manger tous les jours. Elle est belle et elle est bonne. Voilà. Plutôt que, je vais dire un mot grossier, les merdes qu'on trouve dans certaines grandes surfaces. Ou ailleurs. Hein. Ou ailleurs. Donc là, le fait de mettre des tomates qui sont aussi gorgées d'eau, ça t'évite de... Ça évite de rajouter de l'eau pour faire de la vapeur. Oui, alors quand tu mets de l'eau pour faire de la vapeur justement sur les légumes, oui. Tu procèdes comment? Alors, tu je prends, procède. Tu prends un verre d'eau, tu le jettes sur la plaque? Non, c'est un filet d'eau. La plancha est très chaude. Donc le but du jeu, elle étant très chaude, c'est de faire comme un déglaçage en fait, mais c'est pas un vrai déglaçage, c'est juste apporter quelques gouttes d'eau pour générer de la vapeur, pour aider les légumes à cuire plus facilement et éviter qu'ils se dessèchent. D'accord. Surtout. Donc tu fais avec quoi? Avec un vaporisateur? On peut faire avec un vaporisateur. Alors au début, je préconisais le vaporisateur. Mais quelquefois, juste le petit filet comme ça, ça D'accord. suffit. Donc comme tu fais avec le vinaigre, voilà. Une bouteille d'eau, tu mets le pouce dessus. Voilà. Et tu laisses s'échapper c'est ce comme, qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. C'est pareil pour l'huile. Au début, je vaporisais l'huile. Maintenant, je mets un peu d'huile, je l'étale, je préfère parce que c'est plus efficace. Et puis, on voit ce qu'on met. Quelquefois, les vaporisateurs, ils sont pas terribles. C'est vrai. C'est très compliqué de trouver des vaporisateurs qui vaporisent. Voilà. Il y en a beaucoup qui font des jets. Des jets, voilà. De toute façon, quand on est chef, on est chef. Hein. Donc on fait avec les bons produits. S'il n'y a pas les outils, on les invente. Et si les outils ne vont pas, ben on ne les utilise pas. Voilà. Et on trouve des combines pour faire aussi bien. On travaille avec sa main. Et sa tête et ses mains. Et son nez, et sa bouche, et ses oreilles. C'est super en fait, c'est un métier complet ça fait. C'est un beau métier, ouais. C'est un métier, voilà. Ouais, c'est un beau métier. C'est un beau métier, ça donne du plaisir aux gens. Donc là, tu es évidemment en vacances, donc tu vas donner du plaisir à toi et à tes amis. Donc, je suis ravi de faire partie. Et moi, je suis vraiment en vacances parce que pour le coup, je fais rien. Merci Pierre-Henri. Il y a un petit peu quand même. Allez, merci Bernard. Un petit peu à peine. Si à peine. Bon, après, on envoie la cuisson du bar. Donc, on va l'envoyer. Là, vous voyez, ça compote bien. Ouais. La tomate a porté son humidité. Elle commence à compoter. On va avoir un super légume. L'idée, c'est ça, hein, c'est que ça compote un petit peu. Voilà. Pierre-Henri, les petits légumes sont disposés de part et d'autre de la plancha, ils ont bien compoté. À la plancha, ils finissent de compoter d'ailleurs. Compoter. Et donc là, maintenant, on va passer à la cuisson du bar. Donc un petit peu d'huile. Tout petit peu, parce que le bar, je l'ai fait mariner avec du citron et des herbes. Une sorte de marinade un peu instantanée, il y a du thym, il y a du citron, il y a du laurier. Voilà, c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc on va le prendre. Chez le poissonnier, tu lui as demandé quoi? Je lui ai demandé de l'écailler, de l'ouvrir. Alors moi j'ai fait des petites fentes supplémentaires, ça permet de cuire, ça permet à la chaleur de pénétrer plus facilement dans les chairs du poisson et ça accélère un peu la cuisson. D'accord. Et par contre le poisson, le poissonnier, lui, il a écaillé. Écaillé, donc, vidé. Et vidé. Voilà. C'est tout. C'est tout. Très bien. Donc il faut penser à lui demander. Si lui ne pense pas à demander, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec votre poisson,
Bien sûr. Vous lui dites, s'il vous plaît, monsieur le poissonnier, voilà. Vous voulez bien me... Et c'est tout simple, et il va vous le faire avec un grand sourire, parce que c'est son métier, et qu'il y a très bon. C'est un service gratuit, enfin, c'est, voilà. C'est compris dans le prix du poisson, quoi. Voilà. Bon, là, c'est un joli bar, citron, huile, et on va le disposer sur la planche. Dans ce sens-là. Voilà, donc, là, on voit bien les entailles hein, que tu as fait. Là, on compte combien de cuissons? Moi, je dirais à peu près 8 à 10 minutes de chaque côté. 8 à 10 minutes? Oui, parce que ça a quand même 5 cm d'épaisseur. Mmh. Et il faut que la chaleur pénètre à cœur. Donc, on va le retourner 8 à 10 minutes. Et tu se cuis à l'arête. Hein. Voilà. Cuit à l'arête. Cuit à l'arête, c'est 55 degrés. Mmh. Donc, si vous avez un petit thermomètre sonde, c'est bien. Oui. Sinon, mmh. Ben, les petites fentes que j'ai fait, la première, vous mettez votre doigt. Donc là, c'est pas le cas. Si le doigt, il rencontre aucun obstacle et que vous sentez qu'il n'y a pas de résistance, c'est que c'est cuit. D'accord. Donc là, par contre, là, c'est, vous voyez, c'est cru. Les entailles, tu les as faites jusqu'à l'arête. Voilà, presque. Presque jusqu'à l'arête. D'accord. Bon, mais ça, c'est intéressant quand même. Pierre Henri, quelques minutes se sont passées. On avait prévu combien? 10 minutes, 12 minutes? Oui. 8 minutes? 8 minutes. 9 minutes, oui, j'avais dit 8, 9 minutes. Pardon, 8, 9 minutes. Et donc, depuis 9 minutes, bah, il est temps de retourner la bête. Voilà. Donc on a enlevé les légumes hein, parce qu'ils étaient cuits. Ils étaient bien cuits. Donc là il faudrait effectivement une pelle avec une longueur un peu longue. Oui. Alors généralement cette pelle là d'ailleurs elle est fournie, la référence est SPA 04. Elle est fournie avec la plancha. Tout à fait. C'est chez Mogaz. Hein. Donc là aussi, évidemment, on va essayer de retourner. Vas-y. Donc là, c'est bien cuit, pas trop cuit. Il a coloré un tout petit peu, mais le citron, il parfume, mais il fait rôle un peu d'isolant aussi. Là, on voit le bar qui sourit, hein. Il est content d'être là. Je le comprends. Moi, je suis content qu'il soit là aussi. C'est une belle cuisson. Donc là, on l'a retourné, tu vas mettre dessus le reste de marinade. Voilà, dans le plat. Donc ça va continuer de parfumer pendant la cuisson, la fin de la cuisson, et on flambera juste à la fin. Parce que tu vas flamber ça. Voilà, au pastis. Au pastis. Bah, c'est une bonne idée ça. Et comme la nuit va tomber, c'est vrai qu'on ne fait pas la cuisine très tôt ici. Hein. On vit à l'heure espagnole. Ah, on est dans le sud-ouest, hein, on mange un peu plus tard. Ouais, enfin, alors, le sud-ouest pour les Nantéens, c'est la Vendée. Hein. Oui. Alors, nous sommes bien en Vendée, à Saint-Gilles-Pradvy. C'est pas vraiment le sud-ouest, mais si on peut... C'est l'ouest, plus, toujours. C'est l'ouest, voilà, c'est l'ouest. C'est l'ouest. C'est plus sud, mais c'est l'ouest. Ok, très bien. On revient tout à l'heure pour... Ah, c'est trop beau. On revient tout à l'heure donc pour la touche finale. Et après on vous laissera parce qu'on va manger. Pierre-Henri, notre joli bar est arrivé en fin de cuisson. Oui. Quasiment. Hein. Enfin, pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Tu nous as sorti la jolie petite casserole de ma maman à moi. En cuivre étané. En cuivre étané. Alors si on n'a pas ça, évidemment, on peut mettre utiliser autre chose. Hein. Une casserole classique. Une casserole, alors. Une casserole sur une plancha, on peut. Hein, bien sûr. Hein, j'arrête pas de le dire, mais bon. Sur une casserole en acier, c'est comme une plaque chauffante, ça chauffe comme une cuisinière. D'accord. Oui, c'est. Faut juste y penser, c'est pas. Tout à fait. C'est possible. Alors là, tu vas nous faire le flambage. Tout à fait. Au pastis. On fait chauffer légèrement sur la plancha à la casserole parce que l'alcool, s'il flambe,
c'est parce qu'il est chaud, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'une flamme vive pour faire flamber de l'alcool. Il faut juste que ça soit chaud. Voilà. En fait, c'est les vapeurs qui vont flamber. Voilà, tout à fait. On fait ça en extérieur de préférence, évidemment. Voilà, donc là, on voit bien que ça flambe. Hein. C'est tout. Et là, dans notre petit verre. Si on veut bien, alors faut pas avoir peur de la flamme. Ça cuit pas, hein, la flamme. Hein. C'est juste un flambage, ça ne cuit pas. Par contre, ça apporte un petit... Voilà, ça donne le petit goût du pastis. Eh bien, il faut y aller mollo, mollo, quoi. Et comme la plancha est très chaude... Donc là, il n'y a pas d'alcool. L'alcool a brûlé, hein, c'est lui qui brûle. Et ça apporte le parfum du pastis. Et notre bar, comme il se comporte, il est cuit à point. Il est cuit à point, ouais. Le flambage, évidemment, c'est pas obligé. On aurait très bien pu s'arrêter. On aurait très bien pu arrêter la cuisson avant le flambage. Hein. Tout à fait. Là, c'est juste parce que c'est la fête. Bon, c'est la fête. Puis quand même, le flambage, ça donne ce petit goût anis qui se marie si bien avec le bar. Donc, Il y a déjà du fenouil. Ouais, mais bon, le fenouil, c'est dans les légumes. Dans là, les légumes. Voilà. Voilà, c'est... Tout va bien aller ensemble. Hein. Et puis là, alors, la petite cerise sur le gâteau, on ne va pas très bien voir parce que ça devient de plus en plus sombre. C'est un petit peu de fleur de sel ou de sel de Noirmoutier. Et là, on est en Vendée. Ben c'est super. Ben nous, on va aller manger. Merci Pierre-Henri. Bon appétit. Et bon appétit. À bientôt. Et merci Patrick. Qui est avec son plat et qui attend que le plat soit rempli. Du bar parce qu'il commence à faire faim. C'est super. Donc on va mettre ça sur le plat.